Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, ça va, grâce à Dieu. Donc, on revient aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous présenter en fait deux sites internet que l'on a trouvé pour pouvoir en fait acheter des bus ou des voitures d'occasion à des prix abordables pour pouvoir envoyer à Kinshasa et faire un business de transport pour ceux qui sont intéressés. Donc en fait, on s'est renseigné un peu à gauche à droite et en fait, le premier site internet donc, qui nous a été recommandé par une connaissance qui est dans le business d'envoi de véhicules et de bilocos avec les conteneurs à Kinshasa, ça a été Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin, c'est un site qui est assez connu en France par beaucoup de personnes qui veulent acheter du matériel d'occasion, que ce soit pour la maison ou dans différents domaines. Le Bon Coin, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, en fait, où on peut vraiment tout trouver. Et ce site, en fait, notre connaissance nous a tout simplement orienté vers ce site pour trouver des voitures d'occasion et également des minibus, voire même des bus. Donc après, en fait, il faut être très, comment dire, faut aller souvent sur les sites pour pouvoir tomber sur des offres qui peuvent être intéressantes. Il y a quelques semaines, on a fait un tour sur Le Bon Coin et effectivement, on a trouvé vraiment des offres qui étaient vraiment hyper intéressantes. Et on a eu des minibus, des Ford Transit qui étaient vendus à 1500 euros, voire 2000 euros, avec 9 places en bon état. Et du coup, c'était des offres en fait qui sont parties très vite, en une journée ou deux. Les offres étaient déjà parties parce que beaucoup de personnes qui envoient des véhicules au pays, en Afrique, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique, vont sur ce site pour pouvoir dénicher des perles rares en fait. Donc il faut être constant si on veut se lancer dans le business du transport, qui d'ailleurs en passant est un business de ce qu'on entend, et est un business qui est très rentable en Afrique. Donc si vous voulez vous lancer dans ce business-là et commencer par des voitures qui ne vous coûtent pas cher, ben, Le Bon Coin, ça peut être vraiment une bonne alternative pour commencer, pour pouvoir acheter votre premier bus. Et donc du coup, Le Bon Coin, là, on est allé, on a cherché, du coup, quand vous allez sur Le Bon Coin, vous n'êtes pas obligé, premièrement, de créer votre profil. Si vous voulez juste regarder les annonces pour voir à quoi ça ressemble et voir quelques annonces et voir si ça peut vous intéresser, vous pouvez y aller gratuitement. Et dans la barre de recherche, juste ici, rentrez du coup ce que vous souhaitez. Donc minibus, bus. Et après, vous avez juste à faire un tri. Donc par rapport à votre budget. Donc lorsque vous rentrez minibus dans la barre de recherche, vous avez des filtres. Et dans le filtre, au niveau des prix, vous avez la possibilité d'aller mettre le montant maximum que vous souhaitez mettre dans votre véhicule. Donc là, du coup, on a mis 2000 euros à peu près comme chiffre, comme montant pour les bus qu'on souhaite avoir. Donc le montant qu'on est dans la capacité de dépenser actuellement pour acheter un bus. Donc là, on a mis 2000 euros. Donc on se retrouve avec 96 annonces qui sont disponibles sur le site dans toute la France. Donc vous avez également la possibilité aussi de trier par région en fait. Hein. Donc lorsque vous allez dans la ville ou dans un rayon bien défini, vous pouvez rentrer toute la France. Si vous souhaitez trouver des occasions qui sont dans votre ville ou aux alentours de votre ville, vous pouvez également sélectionner le nom de votre ville et étendre le rayon en fait à plusieurs kilomètres. Mais pour pouvoir en fait avoir la chance de dénicher des bonnes offres et tout, on vous conseille en tout cas de laisser toute la France pour pouvoir avoir en fait les annonces qui sont toutes sur toute la France. Et une fois que vous avez filtré, vous avez créé vos filtres, vous avez juste à lancer la recherche pour pouvoir en fait avoir les résultats ici dessus. Donc c'est un site qui est assez facile en fait à utiliser. Et une fois que vous avez lancé la recherche, vous allez avoir en fait tous les résultats que vous allez qui correspond aux filtres que vous aurez créé. Donc minibus avec des bus à moins de 1500 euros. Donc dans les minibus aussi, il se peut que vous ayez des voitures qui vont rentrer dans les recherches. Parce qu'après, ça dépend également dans la description de la personne qui a créé l'annonce, qu'est-ce qu'elle va mettre, dans quelle catégorie elle va mettre son véhicule. Donc il y a des personnes qui vont mettre peut-être des grandes voitures dans minibus alors qu'ils ne le sont pas forcément. Il suffira juste de regarder les annonces, de trier ce que vous voulez ou pas,
et de cliquer sur le cœur s'il y a une annonce vraiment qui vous intéresse. Comme ça vous le garde en favori. Et vous pouvez continuer comme ça à mettre plusieurs annonces en favori et aller les retrouver après pour prendre le temps de réfléchir sur les différentes annonces. Donc là, exemple, on a un Vito fourgon vitré 5 places à 1 500 € avec l'année de 99. Vous allez avoir également, comme on vous l'a dit, des voitures normaux. Vous allez avoir différents types de voitures. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, il faut vraiment faire attention, bien lire les annonces parce qu'il y a certaines voitures qui vont apparaître sur les annonces qui ne sont pas forcément en état de rouler. Donc, il faut bien lire l'annonce et ne pas hésiter à envoyer un message au vendeur pour lui demander dans quel état est la voiture, est-ce qu'il fonctionne ou pas. Parce que si vous voulez l'envoyer au pays, la voiture doit être en état de rouler pour pouvoir rentrer dans le bateau, le ressortir. Elle doit rouler pour pouvoir être exportée à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, bah, du coup, ça pourra pas passer. Et vous avez aussi des voitures qui vont vraiment arriver, qui vont pas coûter cher. Mais certaines personnes le mettent pour des personnes qui savent bricoler, si vous êtes mécanicien ou si vous savez vous vous prendre avec des voitures pour faire quelques réparations. Il y en a certains qui vont vraiment brader leur voiture à 500 € voire même moins parce qu'il y a des travaux à faire dedans et ils ne veulent pas forcément faire ces travaux-là, donc ils vont plutôt les vendre aux personnes qui ont une certaine connaissance mécanique pour pouvoir eux-mêmes faire les travaux et ensuite les vendre comme ils veulent. Donc là vous avez vous pouvez descendre, vous allez voir toutes les annonces que vous allez avoir. Donc là, on a une Ford Transit Connect à 900 €. Ben, la Trafic Renault 9 places à 1 500 €. Donc là, si par exemple, on va cliquer sur cette annonce, donc on va avoir quelques photos. Donc, par exemple, cette voiture-là a l'air pas mal, de l'extérieur en tout cas. Et quand vous descendez, vous allez avoir le prix du coup qui est indiqué ici. Et il faut faire attention parce que certaines personnes vont indiquer un tarif ici, mais dans l'annonce qu'ils vont mettre, vous allez avoir un autre prix. Donc, faut pas hésiter à demander plus d'informations par rapport à ces tarifs là. Et vous allez avoir les critères de voiture. Donc là, vous allez avoir c'est une Renault, la date de mise en circulation, le nombre de portes, le nombre de places, donc il y a 7 places ou plus, le nombre de kilométrages et différentes informations qui sont liées à la voiture. Et lorsqu'on descend un peu plus, vous allez avoir ici une description qui est très important à lire quand vous achetez une voiture sur le bon coin. Donc là par exemple, c'est une voiture qui est vendue en l'état, qui a le turbo est hors service, le moteur touché suite à une panne du turbo. Deux pneus avant neufs, un crochet d'attelage disponible dans le lot à Gramma. Donc vous allez avoir, en général dans la description, il doit vous dire tout ce qui ne va pas dans la voiture. Est-ce que c'est une voiture qui peut être utilisée dans l'immédiat ou pas? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir et tout? Ils sont dans l'obligation, pas dans l'obligation en tout cas. S'ils sont honnêtes, ils vont vous décrire tout ce qu'il y a qui ne va pas dans la voiture. Et après ça, vous avez la possibilité d'envoyer un message au vendeur pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez, et également demander d'autres photos, exemple des photos de l'intérieur de la voiture pour pouvoir en fait avant de vous lancer à acheter quoi. Vous avez la possibilité d'acheter directement sur le site Le Bon Coin, c'est très sécurisé. Sinon, de voir directement avec le vendeur si vous pouvez aller sur place, voir la voiture sur place, faire le tour de la voiture et même voir négocier sur place s'il y a possibilité de baisser le prix. Et de voir par rapport en fait aux réparations qu'il va y avoir, comment est-ce que vous allez négocier pour pouvoir baisser le prix et avoir peut-être votre voiture à un prix beaucoup plus bas que ce qui était sur l'annonce. Voilà, Le Bon Coin, il faut y aller assez souvent. On a tendance à aller chaque semaine pour voir les annonces et c'est vrai qu'on a eu des annonces qui étaient vraiment, vraiment intéressantes et malheureusement, manque de budget, on n'a pas pu se lancer. Donc peut-être un jour, si le business aussi nous convient, hein, mais si ça nous convient pas, bon, on va laisser tomber. Mais en tout cas, c'était important de vous le montrer pour ceux qui veulent se lancer dans ce business, le business du transport, avec des minibus, voire même des voitures hein, qui font taxi, vous avez tout sur Le Bon Coin. Donc là, pareil, c'est un T4 Volkswagen à 2 000 €, 7 places, c'est un minibus
avec 6 portes. Et là, la description, donc c'est voilà, c'est un moteur AAB de 92, le contrôle technique n'est pas passé, problème de carrosserie, compris dans la vente, donc du coup, traverse, AVG, bon bref, c'est des termes assez techniques, on ne saurait pas dire, mais vous avez là, en tout cas, tout ce qui est la description de la voiture et le prix du vendeur. Donc vous allez quand même avoir certaines personnes sur le bon coin qui vont vous mettre tout ce qu'il faut, et bien évidemment il faut toujours se méfier et poser des questions, et avant même de procéder à l'achat, ben, si vous pouvez avoir un professionnel avec vous ou quelqu'un qui s'y connaît en mécanique, n'hésitez pas à aller avec cette personne pour voir la voiture et faire le tour de la voiture, l'essayer et peut-être détecter sur place ce qui peut déranger. Donc là, en décembre, vous allez voir, vous voyez toutes les offres qu'il y a qui sont liées aux minibus et aux voitures. Donc voilà, on fait le tour à peu près. Cette annonce-là a l'air pas mal. Donc c'est un minibus qui, en tout cas de l'intérieur, est vraiment propre. Et ça aussi, hein, quand vous avez beaucoup de photos, n'hésitez pas à regarder, parce que des fois, il y a des annonces, franchement, on se dit, les gens, qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut prendre des photos comme ça et les mettre en vente, c'est pas du tout attirant. Mais il y a des gens qui prennent bien soin de leurs affaires, comme là, et qui montrent des belles choses, quoi. Et là, pour ce minibus, est à 2000 euros. Et la description, véhicule vendu avec réparation à effectuer, rotule de suspension à vendre. Bon, bref, ceux qui s'y connaissent, vous allez décrire. Carrosserie abîmée au niveau porte latérale. Donc avec les quelques travaux. Voilà. C'était en tout cas le bon coin, le site qui nous a été recommandé par des personnes qui sont dans le business du transport à Kinshasa. Et qui nous ont fait un retour comme quoi ça fonctionnait. Que ce soit des voitures qui font taxi ou des bus. Donc si vous voulez vous lancer et avoir un retour sur le bénéfice assez rapidement, le bon coin peut vous aider à trouver, sur le bon coin vous pouvez dénicher des bus à des prix corrects pour pouvoir vous lancer. Ensuite, le deuxième site qu'on voulait vous montrer, c'était ce site-là, Agora Store. On vous mettra tous les liens pour pouvoir accéder. Agora Store, donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet où on vend des bus et des cars aux enchères. Donc c'est des ventes aux enchères. Donc vous allez, en fait, Agora Store se présente comme ceci. Je ne monte pas très haut parce que sinon vous allez avoir le nom de mon compte. Donc Agora Store se présente de cette façon. Le site est bleu en fait. Donc on vous mettra les liens pour pouvoir aller directement voir les sites de vous-même. Sur Agora Store, vous allez avoir tout plein de choses qui sont proposées. Vous allez avoir de la vente immobilière en France. Donc pour ceux qui sont intéressés pour acheter des maisons ou des appartements aux enchères, vous allez avoir du matériel professionnel et également du coup des bus et des voitures. Donc là, vu que c'est des bus qui nous intéressent, vous avez la possibilité dans la barre d'en haut toujours de choisir ce que vous voulez dans la catégorie. Vous pouvez choisir ce que vous recherchez, et dans les filtres vous allez avoir en fait ces deux filtres là, réservés aux pros ou ouverts à tous. Donc les enchères en fait sur Agora Store, sur la vente des bus et des minibus, beaucoup d'annonces concernent les professionnels. Donc si vous êtes un professionnel, si vous êtes indépendant dans l'achat et revente des véhicules, ben sur cette annonce là vous allez être gâté. Donc exemple là, si on va dans réserver aux pros, on va avoir toutes les annonces qui sont réservées aux pros, et dans les annonces réservées aux pros, voilà, on va juste aller cliquer sur filtrer. Donc voilà. Dans filtrer, vous allez avoir toutes les annonces que les professionnels peuvent avoir. Exemple, là, vous avez des bus Agora à 828 euros. Les enchères, en tout cas, les enchères ont commencé à 828 euros. Peut-être commencé moins cher. Et chaque personne qui est intéressée viendra pour cliquer dessus pour pouvoir faire en fait une offre. Pouvoir faire une offre d'enchères.
Donc pour les pros, c'est hyper intéressant. Vous allez avoir tous les prix. Comme là, vous avez un bus à 137 euros, à 828 euros, à 1000 euros. Il y a vraiment tous les budgets. Et pour les pros, ben, vous êtes gâtés en fait. Vous êtes vraiment gâtés si vous êtes un professionnel pour avoir des bus et des minibus. Là, si on clique sur cette annonce qui est réservée aux professionnels, donc là sur cette annonce, on a un bus. Bon, c'est des bus qu'on retrouve dans les villes un peu. Et il y a trois enchères qui sont passées. Donc trois enchères qui sont passées par des professionnels. Et donc on en arrive à 828 euros. Donc une fois, la vente se termine dans une journée. Et à la fin de la journée, bah, la personne reçoit un mail comme quoi il a remporté l'enchère et il peut s'arranger pour récupérer son bus. Donc là, vous allez avoir les photos des bus. En général, ils ont des bus qui sont vraiment propres, vu que c'est souvent des bus qui sont utilisés dans les villes, hein. Vous allez avoir Paris, Toulouse, Le Mans et toutes ces villes-là. Lorsqu'ils veulent changer leur parc de bus, en fait, ils vendent leur bus aux enchères ou ailleurs. Et sur ce site-là, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup d'annonces des villes, en fait, des grandes villes. Donc là, vous allez avoir quelques photos du bus. Et si vous avez la chance que vous êtes un professionnel, vous arrivez à remporter l'enchère, ben, vous allez pouvoir acheter ce bus-là à 828 euros. Mais là, on va revenir en arrière parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les bus qui sont réservés aux individus, aux particuliers en fait. Donc là, on va aller filtrer. Donc on va juste mettre ouvert à tous. Et on va aller chercher le filtre. Et là, on aura trois annonces. Donc trois annonces. Donc là, on a la première annonce c'est pour un Renault Master à 17 places. Le bus est à 20 000 euros, 838. On a une deuxième annonce pour un minibus à 3 809 euros. Et le troisième, c'est pour un car scolaire Iribus Recreo 3 à 2 737 euros. Là, si exemple, on va avoir le moins cher. Plus le moins cher, donc il y a eu une enchère qui a été passée. Donc l'enchère était le bus est à 2 737 euros. Et si le bus vous intéresse, vous aurez juste à venir enchérir ici pour pouvoir choisir le montant que vous souhaitez. Et si vous remportez l'annonce, vous allez avoir ce bus-là. Ce bus-là pour 2 867 euros si vous enrichissez. Donc c'est un bus qui est au nombre de kilométrage est à 479 000 kilomètres. Et il y a 59 places dans ce bus, 59 places là dans le bus. Et on va voir les quelques photos de l'intérieur et l'extérieur également. Donc, du coup, et voilà quelques photos du bus, l'intérieur propre avec les ceintures et tout ce qu'ils font. Et pareil sur Agora Store, faut pas hésiter. Limite à venir chaque semaine, même pas chaque semaine, mais limite chaque jour, pour venir voir les annonces si vraiment vous souhaitez acquérir un bus ou un minibus. N'hésitez pas à faire un tour très souvent sur ce site, parce que tiens, là on a trouvé trois annonces, mais il y a quelques semaines, il y avait beaucoup plus d'annonces que ça, réservées aux particuliers, et à des prix également, mais super bas, quoi. Donc il y avait des minibus, des bus, pardon, à moins de 1000 euros. Réservé pour les particuliers. Et si vous arrivez à gagner l'enchère, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui vont acheter, il y a des particuliers qui vont acheter des bus aux enchères en fait. Donc des fois vous allez avoir peut-être deux trois personnes qui vont enchérir sur les bus. Et si vous avez un budget assez conséquent, vous pouvez vraiment bien monter aux enchères. Vous pouvez trouver tomber sur des belles occasions parce que c'est des voitures qui des bus pardon qui sont bien entretenus par les communes en fait, parce que c'est des bus quotidiennement qui ont roulé pour prendre des passagers dans les villes, pour travailler dans les villes. Donc c'est des voitures qui sont bien entretenues, parce qu'en général les mairies ou les sociétés de transport dans les grandes villes prennent bien soin de leurs bus. Donc c'est des bus qui n'ont pas beaucoup de problèmes en tout cas, et qui sont juste vendus parce qu'il faut renouveler le parc de bus de la société qui est dans la ville. Donc n'hésitez pas à faire le tour sur ce site aux enchères, et peut-être un jour vous allez trouver une belle offre, remporter votre enchère et ben, voilà, vous lancer dans ce business-là au pays. Après, ce qu'il y a toujours en fait, ce qui peut bloquer
pour beaucoup, exemple nous on est dans ce cas-là, ce qui bloque, c'est le coût de l'envoi des minibus ou des bus au pays. Kinshasa, le Congo en tout cas, c'est la douane est hyper chère. Donc là, exemple pour un minibus, on a pu négocier avec une personne qui est intransitaire à Toulouse. Pour un minibus, on est à 5 000 euros à peu près pour envoyer un minibus. Mais bien évidemment, le minibus, vous allez le remplir avec plein de choses dedans et que vous pourrez revendre peut-être pour récupérer votre argent de l'envoi. Mais c'est quand même 5 000 euros qu'il faut prévoir en plus à l'achat de votre bus. Donc si vous voulez vous lancer, que vous voulez, exemple, vous mettez 2 000 euros d'achat de votre minibus ou de votre bus et que vous voulez l'envoyer, que ça vous coûte 5 000 euros, en fait, il faut prévoir un budget de 7 000 euros en fait pour juste pour un minibus et l'achat du minibus et l'envoi. En tout cas, c'est l'exemple qu'on prend, nous, qu'on a eu en négociant en fait avec une personne dans la ville de Toulouse. Après, pour un bus, c'est encore autre chose. Un bus, ça rentre pas dans un conteneur. Peut-être qu'il va être envoyé autrement. Et là aussi, il faut prévoir un budget en conséquence. Et la douane de Kinshasa n'est pas donnée. Mais comparé à d'autres pays dont on a eu des retours, la douane du Congo est vraiment pas donnée. Donc, si vous arrivez à trouver des personnes qui peuvent vous faire des prix intéressantes, et vous aider à acheter les bus, mais allez-y quoi, allez-y. Et si vous souhaitez, vous habitez Toulouse, que c'est une démarche qui vous intéresse, n'hésitez pas non plus à nous le dire. En fait, en tout cas, on a une personne qui envoie les conteneurs, qui envoie du coup les voitures et les minibus et tout. On peut vous mettre en contact avec lui pour pouvoir faire les envois. Donc voilà, c'était les deux sites qu'on voulait vous présenter, Le Bon Coin et Agora Store, donc la vente aux enchères des bus et d'autres matériels. Ce sont des sites qui sont hyper intéressants. Donc même pour les personnes qui font les bilocos ou qui vendent des choses d'occasion au pays, allez-y, vous allez vraiment tomber sur des super bonnes affaires. Par exemple, nous, on a acheté là un IMAC à 180 euros. On a remporté une enchère, en tout cas pour un IMAC à 180 euros. Donc il y a vraiment de tout. Vous avez du matériel informatique que vous achetez pour vraiment pas cher. Ils ont avoir des unités centrales, 10 unités centrales à une centaine d'euros, des claviers, des écrans pour ordinateur. Vous allez avoir des lots de claviers ordinateurs pour une centaine d'euros. Donc, n'hésitez pas à faire un tour et si vous avez des budgets, mais lancez-vous dans les enchères pour pouvoir constituer votre stock si vous voulez faire du business au pays. Donc, on refera une vidéo comme ça sur les différents articles qu'on peut trouver sur Agora Store et essayez pourquoi pas de remporter une autre enchère pour pouvoir vous montrer comment ça marche exactement. On va y réfléchir dans ce sens en tout cas. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était les deux sites qu'on voulait vous présenter. Et si vous connaissez d'autres sites internet qui vendent également des bus ou des minibus pour pas cher, à des prix corrects en tout cas, à des prix corrects et dont les particuliers peuvent bénéficier en fait pour acheter pour leur business et tout, n'hésitez pas à partager avec nous en fait, parce que la chaîne a été vraiment créée pour ça, pour trouver des bons plans partagés avec la communauté congolaise et africaine également, parce que là ces deux sites vous pouvez acheter pour envoyer dans n'importe quel pays d'Afrique. Donc si vous avez des bons plans comme ça, je sais que c'est pas commun dans la communauté de partager les bons plans, mais il faut vraiment s'y mettre. Donc partageons les bons plans et aidons-nous les uns les autres en fait. Aidons-nous les uns les autres à trouver, à pouvoir développer des business au pays, créer des emplois et faire vivre l'économie du pays. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous et également à nous soutenir en vous abonnant. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée, si c'est en soirée que vous nous regardez. Et à une prochaine fois. Au revoir.